Aujourd'hui, on va te partager les meilleures tactiques perso qu'on a pu trouver sur ce FC 24. Bienvenue à toutes et à tous sur une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'espère que tu vas pour le mieux avec Vincent. On va te présenter chacun nos tactiques perso qu'on utilise. On utilise deux formations bien différentes. Tu vas voir ça dans un instant. Mais si tu aimes bien la vidéo, n'hésite pas à liker et également les frérots à vous abonner. On se rapproche à grands pas des 230 000 abonnés. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu es tout nouveau sur la chaîne. Et c'est seulement la deuxième vidéo tactique de l'année parce que on a vu avec Liam la première, c'était déjà il y a deux mois, et c'était quand Liam avait fait son 20 victoires, 0 défaite. Là aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo tactique parce que comme Liam l'a précisé, on a énormément changé d'équipe et là du coup j'ai aussi changé de tactique avec. Juste avant de te montrer, tu peux voir que là c'est le début de la nouvelle saison aujourd'hui et j'ai déjà fait mes 7 victoires Rebels en 8 matchs. J'ai joué 8 matchs comme tu peux voir, j'ai fait 7 victoires. J'adore ma nouvelle tactique, je vais te montrer ça tout de suite. Ensuite on partira sur Play pour voir les tactiques. Mais d'abord on va voir mes tactiques et ensuite on verra les tactiques de Liam. Donc moi les gars, ça c'est mon équipe, une équipe extraordinaire, j'ai eu beaucoup de chance. In game, comment je joue, c'est très simple, je joue exactement avec la même formation, je vais te montrer ça tout de suite, avec le dispositif offensif. Voici mes tactiques, il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a rien de 64, non, je suis 50-51 et les gars je reste comme ça, c'est mon style de jeu. J'adore parce que c'est un style de jeu où je peux jouer de manière directe, de manière de contre-attaque, mais aussi un mode de jeu où je peux garder le ballon, faire tourner le ballon, construire le jeu, essayer vraiment de contrôler le tempo du match. Avec cette formation, le 4-3-2-1, j'aime beaucoup parce qu'avec les 3 milieux de terrain, ça va vraiment me permettre justement d'agencer entre les différents styles de jeu offensifs. Moi j'ai une petite question Vince, dis-moi, ouais, comment tu trouves ton bloc défensif? Bah moi justement les gars, comme je défends de manière très agressive, il faut absolument, mais ça on verra dans les instructions des joueurs, qu'au moins 2 milieux de terrain restent derrière en attaque. D'accord, ok. Donc pour moi ça c'est très important et je vais vous dire aussi les gars deux petites choses vis-à-vis des joueurs milieu de terrain qui sont très très importants pour moi. Donc voilà, ça c'est les tactiques. En termes de dispositif, ça n'a pas changé. Tu peux voir justement que les 3 milieux de terrain c'est les mêmes. Il y a Camille Abili, Lothar Matthäus et Zinedine Zidane au milieu de terrain. Et je vais après revenir sur Camille Abili et Lothar Matthäus. Et après devant, bah on a notre ami Harry Kane, Zico et Bobby Charlton. En termes d'instruction les gars, moi c'est pour le coup un peu différent des autres collègues. Je trouve qu'il est très important dans cette formation d'utiliser des latéraux qui soient rapides et endurants, du style Marcos Llorente, du style Achraf Hakimi, du style Théo Hernandez, du style Ferland Mendy. Est-ce que tu as besoin qu'il soit offensif également? Pas forcément, parce que tu verras que moi je préfère justement qu'il reste derrière en attaque et que moi je contrôle directement les appels de balles des joueurs vers l'avant. C'est très simple, tu appuies sur L1, les joueurs vont partir devant. Ou LB. Ou LB. Tu appuies sur L1 ou LB, les joueurs vont faire un appel devant. Moi je préfère ça plutôt que mon latéral gauche ou droit automatiquement. Voilà, moi je préfère justement contrôler les appels des joueurs, des balles moi-même. Donc là, on est en termes d'instruction, les gars. Rester derrière en attaque pour Théo Hernandez, la même chose pour rester derrière en attaque avec Marcos Llorente. Tu peux voir que je ne vais pas des types de courses, je fais juste mix attaque. Maintenant, c'est là où ça sera très important et on va revenir de suite là-dessus. Zinedine Zidane, attaque équilibrée, couvrir aile. Lothar Matthäus, couvrir centre, rester derrière en attaque. Camille Abili, rester derrière, couvrir centre. Pourquoi j'ai mis Zinedine Zidane, couvrir aile? Parce qu'avec son physique, avec sa manière dont il joue, je ne le veux pas en rester derrière en attaque. Je veux que ça soit attaque équilibrée. Et pourquoi couvrir aile? Tout simplement les gars, parce que généralement dans mon style de jeu, je fais souvent des transversales. Et pourquoi j'ai besoin qu'il couvre l'aile Zinedine Zidane? Imaginons je suis sur le côté droit avec Marcos Llorente, je fais la passe avec Zinedine Zidane. Et bien justement après derrière je perds le ballon, Zinedine Zidane il ne va pas tout de suite se retourner dans l'axe. Il va rester un peu couvrir le côté. Et ça c'est très important parce que moi dans mon style de jeu, j'ai vraiment la tendance de monter un peu plus avec Marcos Llorente que Théo Hernandez. Donc en vrai Zidane en position défensive, de temps en temps il peut couvrir les montées de Llorente. Exactement, exactement. Okay. Donc voilà, ça c'est très important pour moi de le dire. Maintenant devant les gars, pour moi ça sera très simple. Zico et Bobby Charlton, je fais rien, je ne touche à rien. Par contre pour Harry Kane, comme tu vois c'est un buteur assez atypique on va dire dans ce jeu, je l'ai juste mis rester devant. Je vais revenir les gars sur quelque chose de très important avec cette tactique que j'utilise. Le rendement des joueurs au milieu de terrain. Tu peux voir Camille Abili, elle a moyen élevé en défense. Moyen élevé, c'est-à-dire un style élevé en défense. Pour Lothar Matthäus, élevé, élevé. Et pour Zinedine Zidane, c'est pas moyen, moyen. Moyen, moyen. C'est très important les gars, les rendements des joueurs pour les milieux de terrain dans cette formation. Parce qu'il n'y a pas de milieu offensif
et il n'y a pas de milieu défensif. Donc si tu utilises cette formation, il faut vraiment bien que ça soit complémentaire entre les différents styles de jeu. Parce que Zinedine Zidane, tu veux pas qu'il soit numéro 6. Non. Tu vois, Zinedine Zidane comparé potentiellement à une Camille Abili. Camille Abili, ça me dérange pas qu'elle reste un chouïa plus derrière, comme Lothar Matthäus, comme ils ont élevé derrière en défense. Par contre, Zidane, je veux pas que ça soit le créateur absolu, mais je veux que ça soit dans le trio du milieu de terrain, celui-là qui est un peu plus haut. Donc voilà, ça c'est pour mon équipe quand je joue, quand je commence un match. Et juste ma composition ultra offensive, là c'est assez simple, c'est quand je perds le match. Dès que je perds de plus de 2 buts, vers la 73e, 74e, je mets en ultra offensif. Ça c'est mes tactiques, voilà, c'est vraiment le côté un peu... je veux absolument... Limite, moi je te dirais ta profondeur 52, c'est limite, ouais, pas assez. C'est limite pas assez. Moi je mettrais 71, ouais, minimum, comme ça tu es sûr que tu fais un gros pressing sur l'adversaire. Et donc ça du coup c'est les... Voilà, c'est in-game quand moi je vais jouer. Je vais mettre Kane, Zico, Zidane en 10, Théo Hernandez, De Sailly, compagnie, après Bobby Charlton côté gauche. Donc voilà, ça c'était plus sur le côté ultra offensif. Après j'ai rien touché les gars en termes de... J'ai rien touché. Là je vous dis honnêtement les gars, j'ai rien touché parce qu'à ce moment-là du match, je veux juste que les joueurs fassent un super gros pressing. Ça sera le plus important. Donc voici mes tactiques les gars, et je tiens à le signaler, 3 rangs 1 de suite, mais avec cette tactique-là les gars, 3 rangs 1 de suite. Donc 3 fois 19 victoires, 1 défaite. Les trois derniers futurs champions ce week-end avec cette tactique et ces joueurs-là, je veux essayer de faire le 20 victoires, 0 défaite. Bah avant ça, c'est ce que j'allais dire, il faudrait peut-être bientôt faire le 20 victoires, 0 défaite. Ouais. Mais bon. Alors les gars, là maintenant on va passer, je vais enlever juste l'overlay Xbox parce que là maintenant on va passer sur mon compte les amis. Juste une petite chose les frérots, vous allez voir sur mon compte, maintenant j'ai 2000 points FC. Comment j'ai ces points FC si tu me demandes? Je fais ma mission TOTY avec les tournois PlayStation. Comme tu peux le voir, j'étais très très bien placé, je vais te remontrer ça d'un coup. Après je vais te remontrer les tournois. Tu peux voir qu'en Division Elite hier soir, j'étais parmi les top 2%. Bon je sais pas si ça vaut vraiment quelque chose ou pas, mais j'étais top 700e joueur mondial techniquement. Donc moi... Ça me fait plaisir et ça me rend fier parce que j'ai bien bossé et j'adore ma compo. Donc je vais te montrer ça dans un instant juste avant. Si toi aussi tu veux te faire des points FC avant la TOTY, parce que moi ces points FC je les garde pour la TOTY, tu vas faire soit la AF5 Cup qui est sur FUT avec ton équipe FUT ou sinon la Kickoff Cup. Et j'ai gagné 2 tournois hier. Mon objectif c'est les 10 000, 12 000 points FC avant la TOTY. Donc c'est pour ça si tu vois des points FC, c'est normal. On met pas d'argent dans le jeu, juste je gagne des tournois PlayStation. Moi j'ai pas l'opportunité parce que moi je suis sur Xbox et je tiens aussi à préciser quelque chose. La Kickoff Cup c'est avec les équipes du style Real Madrid, PSG, Liverpool, Manchester City. C'est un peu comme le mode saison sauf qu'après derrière tu peux récupérer tes 500 points FC. Donc voilà la tactique de Liam, il va vous la montrer maintenant les frérots. Alors ça c'est mon équipe de base et je vais faire 2-3 petits changements vis-à-vis de l'équipe avec les Winter Wildcard. Et j'espère que je vais avoir du lourd dans les packs parce que ces derniers temps j'étais pas trop trop chanceux. Donc moi les frérots je joue en 4-2-2-2, style défensif équilibré, largeur 50, profondeur 55. Je trouve que c'est assez équilibré. Et le 4-2-2-2, ce que j'aime bien, c'est que tu as deux buteurs, deux ailiers entre guillemets, et deux milieux de terrain défensifs. Moi, je trouve que pour mon gameplay, avoir deux numéros 6, deux qui sont juste devant la défense, deux points d'ancrage, et aussi qui peuvent potentiellement, un des deux, pouvoir aider les attaquants et les milieux de terrain offensifs, moi, c'est ce que j'ai besoin au milieu de terrain. Je trouve que c'est équilibré et moi-même je peux contrôler les appels de mes joueurs. Donc voilà, si je sens qu'il y a des déplacements à faire, bah je peux toujours me réorganiser. Mais je trouve que le 4-2-2-2 c'est une super formation actuellement. Alors, donc ça c'était mes tactiques défensives. Maintenant, tout ce qui est tactique offensive, moi j'aime bien équilibrer et passe direct. Je suis quelqu'un, j'aime bien presser assez haut, j'aime bien récupérer assez vite le ballon. Dès que j'accupère le ballon, j'aime bien aller tout de suite vers l'avant. Si je sens que j'affronte quelqu'un qui est bloc bas, qui va vraiment beaucoup défendre, passe direct, c'est parfait. Après, si je vois que c'est quelqu'un qui est aussi très très haut devant, de temps en temps ce que je peux faire, ça peut être appel de balle. Pourquoi appel de balle? Comme ça, ça pourra peut-être aussi déclencher des longs ballons. Donc voilà, ça c'est quelque chose que moi je peux te conseiller. Moi j'aime bien passe direct, mais si tu peux faire aussi, pourquoi pas appel de balle. C'est pour ça qu'en fait tout va dépendre aussi du style du joueur que tu vas utiliser. Moi avec mon Harry Kane, je peux pas faire appel de balle, c'est pas le plus rapide, c'est pas Kylian Mbappé. Par contre, Liam, des Rafaleo, des Son, des Dalglish, il peut le faire. Donc voilà, ça aussi c'est par rapport à des joueurs que toi tu utilises et maximiser le potentiel de tes joueurs offensifs. Voilà. Ensuite, au niveau de la largeur, c'est 50. Comme c'est équilibré, c'est parfait. Dans la surface, je mets 7 sur 10. Pourquoi les frérots? Je mets 7 sur 10. Spécialement, tu peux voir tout en haut à gauche, au second poteau, tu peux voir que là, il y a un joueur qui fait un appel. Si je mets 6, le joueur ne fait pas l'appel dans la surface. Moi, je joue beaucoup sur les côtés. Donc j'ai besoin d'avoir un maximum de joueurs dans la surface dès que je vais revenir dans l'axe. Là, ce que j'aime bien, c'est que le joueur au second poteau fera un appel. Donc, soit je peux la mettre en retrait, tu peux voir ce que tu auras des solutions en retrait, ou bien sinon, je peux la mettre centre-second poteau. J'ai Raphaël Léo au second poteau, généralement,
Là, c'est intéressant, il est grand, physique, il peut gagner des ballons aériens. Voilà pourquoi je mets 7 sur 10 dans la surface. Corner, 3 sur 5. Tu peux mettre 2, tu peux mettre 3, c'est à toi de voir. Je te déconseille par contre de mettre 4 ou 5. Non, parce qu'après, c'est des contre-attaques de zinzin que tu te prends derrière, donc c'est pas forcément fun. Coup franc, 2 sur 5, parce que moi, généralement, je le joue à 2 joueurs. Donc ça, c'est le dispositif, c'est comme ça que je joue une game. Je vais sûrement replacer Zizou en milieu de terrain défensif bientôt pour avoir un milieu de terrain offensif un peu plus rapide et un peu plus, bon, un peu plus rapide. Parce que Zizou, il est quand même exceptionnel. Techniquement, il n'y a rien à dire. Donc maintenant, c'est au niveau de mes instructions. Au niveau du gardien, je ne mets absolument rien du tout. T'en as qui peuvent dire gardien libéraux. Moi, je préfère contrôler moi-même en appuyant sur triangle si le goal va sortir ou pas. Donc moi, je mets équilibré. Ensuite, au niveau de mes latéraux, débordement, rester derrière en attaque pour Rich James. Et c'est exactement la même chose avec Théo Hernandez. Maintenant, au milieu de mes terrains, milieu de terrain défensif, Philippe Lam, défense équilibrée, rester derrière en attaque parce qu'il n'a pas un profil à qui peut monter, qui peut tirer loin, etc. Non, je le veux vraiment devant la défense, position défensive, couvrir centre. La même chose pour Ramirez, couvrir centre. Mais par contre, Ramirez, moi, des fois, je le vois, je peux le voir un peu plus haut sur le terrain, ça ne me dérange pas, il a la capacité technique. Et surtout, de temps en temps, pourquoi pas, il peut tirer, même si c'est pas le meilleur tireur de loin, ça c'est sûr. C'est pas Matthäus. Non, ça c'est sûr. Couper les lignes de passe, pourquoi? Parce qu'il est rapide et il peut vite intercepter le ballon. J'aime bien aussi, je pourrais aussi mettre ça sur l'âme, mais honnêtement, je préfère le laisser en défense équilibrée et attaque équilibrée. Comme ça, il peut monter un tout petit peu. Maintenant, au niveau de mes milieux de terrain offensifs, droit et gauche, revenir en défense et dans la surface, sur soutien, sur les centres, comme je t'ai expliqué vis-à-vis du graphique 7 sur 10. Voilà, moi j'aime bien avoir des solutions devant. Et maintenant, pour mes deux buteurs, c'est dans de la défense, rester devant pour Son. Dans de la défense, rester devant pour Kenny Dalglish. Comme ça, ils pourront faire un max d'appels automatiquement. Je peux moi-même contrôler les appels avec L1 ou les faire revenir avec R1. Mais voilà, j'aime bien qu'automatiquement, leur AI, leur intelligence artificielle, propose des courses droit devant. Je trouve ça intéressant. Donc ça, les frérots, c'est ma tactique et mes instructions en 4-2-2-2. Maintenant, tout ce qui est pressing constant. Dès que je perds le match à la 75e, 80e minute de jeu, pressing constant, je suis en 3-4-2-1. Il y a beaucoup de joueurs devant. Ensuite, largeur 50, profondeur 65. Ça, voilà. Ça, c'est vraiment la technique, les gars, pressing. Pressing à fond. Et encore, tu vois, je mets même pas 71. Parce que tu vois, 71, vraiment, alors, je le mets même pas. Je préfère 65. Après, je peux directement faire avec les touches, avec le pad, avec directement les touches directionnelles. Mais justement, toi, tu conseilles d'utiliser cette formation quand exactement? 75e, 80e minute de jeu si tu perds. Vaut mieux perdre une fois 3-1 que 10 fois 2-1. Tu vois ce que je veux dire? Faut essayer de revenir toujours dans le match. Moi, c'est ce que je te conseille. Construction attaque équilibrée au niveau de la construction. Occasion passe direct, encore une fois. Largeur 50. Dans la surface, 7 sur 10. Voilà, ça touche pas. Corner 3 sur 5. Coup franc 3 sur 5. Maintenant, normalement, c'est Théo Hernandez ici. Et Philippe Lam, tac. Comme ça, j'ai Zizou. Et généralement, Zizou, je le fais sortir. Je fais rentrer un ailier droit bien rapide. Au niveau des instructions, pour moi, là, c'est tout par défaut défensivement. Au milieu de terrain, attaque équilibrée, couvrir centre. Par contre, sinon, le reste, c'est par défaut. La même chose pour Philippe Lam. Pour mes deux milieux de terrain, c'est couvrir centre parce qu'il y a déjà du monde sur les côtés. Théo Hernandez, dans le dos de la défense pour les courses de soutien. Là, exactement la même chose pour Zinedine Zidane. Et le reste, c'est par défaut. Par contre, pour mes attaquants, pour mon avant-centre droit, dans le dos de la défense, le reste équilibré. Huggenson, rester devant, dans le dos de la défense. Et Raphaël Léo, dans le dos de la défense. Voici mes tactiques et mes instructions qui pourront t'aider si tu as envie de tester autre chose. 4-2-2-2, c'est une bonne formation. Sinon, tu peux toujours utiliser le 4-3-2-1 comme Vincent te l'a montré. Voilà, on t'a proposé les tactiques, les formations qu'on utilisait actuellement sur RC24 qui, depuis la mage, fonctionnent plutôt très très bien pour nous. Donc voilà, n'hésite pas à nous tenir au courant si toi aussi elle tourne de ton côté. Merci à vous les frères de votre soutien. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à nous rejoindre pratiquement tous les jours. On est sur Twitch, twitch.tv, les Twins, si t'as n'importe quelle question. N'hésite pas, le lien est dans la description. Moi c'est Liam. Moi c'est Vincent, sur ce les gars, on se capte tout à l'heure en live sur Twitch. Ciao.